détruire entre nous. Mais là, aujourd'hui, ils nous laissent libres. Voyez-vous, les libertés sont supprimées. C'est pas le bon Dieu qui a adopté l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés sur la dérogation des libertés fondamentales et des garanties juridiques. C'est pas le bon Dieu qui a voulu ça. C'est l'homme. Il n'y a pas personne qui fait quoi que ce soit. Tout le monde s'incline actuellement et accepte. Nous sommes en danger. On accepte le danger si nous sommes lâches au point de se laisser envahir et de permettre à notre sécurité publique, à la Sûreté du Québec, au corps policier, de tout simplement se soumettre à des autorités étrangères en passant par-dessus la souveraineté du Québec et du Canada par le peuple. Parce qu'oubliez pas que c'est le peuple qui va élire aux élections leur nouveau gouvernement à tous les 4 ans. Ça ne vaut plus rien d'aller voter, c'est fini, là. C'est fini, là. Oubliez ça. Puis ça, là, ce que je vous dis là, il faudrait que ce soit traduit en anglais, parce que je ne suis pas bilingue. Si j'étais bilingue, ça ferait longtemps que tous les Anglais au Canada auraient entendu ce que je vous dis là. Ça fait longtemps qu'il faut que ces gens-là soient mis au courant de ce que je vous dis présentement. Il faut que ce soit traduit en anglais, puis même en d'autres langues. Donc, le responsable, c'est moi, de ce que je viens de vous dire là. C'est le vice-roi, c'est Jacques-Antoine. Mon numéro de téléphone cellulaire, c'est dans le 438-390-6246. 438-390-6246. Bonne soirée à tous. Merci.